إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله. Mes frères, mes sœurs, ça c'est une parole qui tous les semaines nous tous écoutons, nous pétanli de khutba nikah nous tanli de causerie nous tanli de jumma nous tanli qui meilleure parole ces paroles Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Et puis n'a aucun musulman qui n'a doute de ça quelque chose là qui meilleure parole ces paroles Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Mais ce qui reste à confirmer, ce qui reste à confirmer, qui nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment nous réagissons envers ça, qui Allah, ses paroles, ses meilleures paroles. Ça, chacun parmi nous vous rendre compte. Un Coran qui Allah godli miraculeusement inchangeable, il n'est pas changé, il n'est pas être modifié. Kitab Allah n'est pas être modifié. Allah godli dans ce l'origine, personne n'est pas capable de modifier le Coran. Mais est-ce que nous, musulmans, quand ça causait là, c'est juste pour nous faire fakhr, nous montrer que nous livres, il reste inchangé, c'est pour ça qu'Allah nous a dit inchangé, ou bien Allah nous a dit inchangé pour que nous, musulmans, nous cessions nos guidances depuis dans sa livre là? Ça, nous tous, nous besoin de répondre. Nous n'arrivons dans 2020. Nous n'arrivons dans 2020, l'effet qui potable, il reste fier de nous la vie, l'effet qui Facebook, il reste fier de nous la vie, l'effet qui WhatsApp une récit fait de nous la vie, dire, nous sommes musulmans parce qu'il nous adresse dans Sourate al-Jum'a. Si nous cause de la gazette, nous allons dire l'humanité. Nous allons dire l'effet qui social media avec ce portable, avec technologie, il fait l'humanité si nous cause de la gazette. Quand nous cause de Sourate al-Jum'a, nous dire l'effet qui portable, Facebook, technologie, il fait de nous la vie. Ça veut dire, les panguettes, si pas du monde là, de Maurice, ou ça de l'Arabie, les panguettes du monde là, c'est pas les restes de Haram, ou bien les restes dans l'église, les panguettes, c'est pas du musulman là, mauvais dire musulman là, c'est pas les restes de Maurice, dans plein de papayes, c'est pas les conarabes, les pas conarabes, les apprendis, les pas apprendis, non. C'est pas les dans l'école, les pas dans l'école, c'est pas y a un laboureur, ou bien y a un professionnel, non, tout du monde, il passe à sa belle. Est-ce qui, c'est pas une détresse, c'est pas une catastrophe qui, portable et technologie et Facebook et WhatsApp et TikTok, tout ça ne fait plus beaucoup l'effet qui Coran il fait de nous la vie. Est-ce que ce n'est pas une catastrophe? Qui preuve? Qui quand c'est les temps qui nous donne sa bonne social media et technologie, et qui quand c'est les temps nous donne sa livre qui miraculé, sa livre qui reste inchangeable, inchangé, sa livre qui n'est pas capable d'être modifié, sa livre qui est un challenge là-dedans, qui est capable d'amener un autre livre de sa place, amener, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est pas capable d'amener. Et pourtant, dans la première phrase qu'il nous lit après Surah Fatiha, Alif Lam Mim, Dhalik al Kitab, sa livre-là, c'est-à-dire le Coran, La Raiba Fi, n'a pas aucun doute là-dedans. Houdal lil Muttaqin. Mais je connais quand nous disons, il n'y a aucun doute là-dedans, là, vraiment, nous n'avons pas doute là-dedans. Il n'est pas logique. Il n'est pas logique, il n'est pas intelligent, il n'est pas possible qu'un musulman n'ait aucun doute. Dans le message qui est dans le Coran, son action montre les contraires. Son iman montre les contraires. Son ibadat montre les contraires. Son caractère, son akhlaq, son adab montre les contraires. Et son transaction qu'il a fait montre les contraires. Pourtant, nous ne finissons d'accord avec le kitab ou la rébifi. Alors, meilleure parole, parole Allah subhanahu wa ta'ala jala jalaluhu. Là-dedans, dans sa bande, meilleure parole là,
Il y a une parole là-dedans dans Sourate Baqara, Allah dit, yuridullah bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, pour cause concernant règlement Gadroza, il dit qu'Allah voulait la facilité pour eux, Allah n'a pas voulu la difficulté pour eux. Alors, garde ça dans ce coin à la tête pour le moment. Wa khair al-hadi, hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même template, même explication que nous faisons concernant les paroles, parole Allah, quand nous disons meilleure guidance, guidance Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire ça? Qui veut dire que nous tous d'accord que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, uswatun hasana, tout jamaat d'accord, tout masjid d'accord, tout pays d'accord, tout madrasa d'accord, tout maulana d'accord, tout alim d'accord, tout pire d'accord, tout professeur d'accord, tout musulman d'accord qui meilleure guidance, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous vîmes dans le stage de implémentation, qu'est-ce qui était? Alors là qui vient les ishka, le problème c'est pas dans sa statement là, pas dans nos proclamations qui nous proclamaient, mais il y a parole, parole Allah, mais il y a parole, parole Rasoulallah. Tous les djoumas peuvent dire sa parole là. C'est moi, est-ce qu'il est vrai dans nous la vie? Quand on l'a casé, on dit, bliez ce qui m'a beaucoup causé encore 20 minutes, bliez ça. N'existe pas ça, une leçon là dans sa khutba là, quand on l'a casé, vous voyez même nos Coran, il reste insensé, nos Coran entre nos mains, il dit, il est parmi nous, il est là, il est dans les étals, il est dans les librairies, il est au table. Et il a dit dans tout langage. Est-ce qu'il vraiment lui meilleure parole? Est-ce qu'il vraiment ce qui nous veut faire nous peut prendre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme nos modèles, comme nos templates qui nous suivent, comme nos enseignants, comme nos alim, comme nos imams? Wa shar al-umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Man frère et bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu le fin créneau insan. Sa explication. Si je t'écoute Manjouma, les autres places, partout, je fais un effort qui me commence par sa explication. C'est un template, ça. C'est un template qui nous, Allah, crée nous insane. Quand il crée nous insane, à l'intérieur de nos créations, par exemple, il y a un portable, il y a un SIM card, ou ça, à l'intérieur, il y a une mémoire, il y a un système à l'intérieur, sa portable qui nous servit là. Quand Allah crée insane, il y a un système à l'intérieur. Dans le système insane, Allah met un petit chips dans nos langages, un petit chips qui lui reconnaît Allah comme son Rabb. L'inné l'eau sa fitrat, là nous dire. L'inné, ça veut dire sa musulman ou bien non musulman, sa insan qui Allah fin créé là, il crée lui avec sa mécanisme qui à l'intérieur sa insan là, lui reconnaît Allah comme son Rabb et à l'intérieur de son fitrat, il a un penché, il penche vers Yamil ou Ilay, il penche vers établir ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fait créer ça dans lui. Ça veut dire que quand nous pouvons faire da'wa avec un non-musulman, lui à l'intérieur de sa nature en tant qu'un insan, lui déjà il a sa recognition, sa acknowledgement qui Allah subhanahu wa ta'ala est mon Rabb et mon besoin de faire ibadat pour lui. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. Ça c'est sur l'ayat Coran de surah 7, A'raf. Et Allah dit dans surah Rum 30, verset 30, فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسِ عَلَيْهَا. Allah crée insan, le fitrata Allah veut dire l'islam. L'ibad, reconnaître Allah, l'obisin établir, ibad, juste pour Allah, Allah finit créer nous de sa façon. Sa haine. Deuxième master, il y a un caractère, il y a l'isier, il y a une spécification dans nous en tant qu'insan. Nous avons l'intelligence, nous avons les oreilles, nous avons les nénés, nous avons la bouche, nous avons l'isier, nous avons les pieds, nous avons l'âme. Ça, c'est quelque chose qui est visible. Invisible, nous avons le sentiment, l'émotion, caractère, amour, nous content, nous content quelque chose, caractère détesté, la jalousie, l'ennemité, iman. Rouh, ça c'est une qualité qui existait dans l'insan. Right là? C'est-à-dire un insan, il y a un caractère là dans lui. Basé sur ce insan là et sur un caractère, Allah met un objectif pour lui. Ça veut dire pareil comme un bateau d'après ses caractéristiques, ben pour décider ce bateau là, de qui profondeur la mer, vis-à-vis de lui, qui côté est capable de naviguer bien, qui côté est pour arriver à bon port. Si mettez dans la rivière, dans le lac, il n'est pas pour rouler. Ça, c'est un manufacturer qui vous dit ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, quand il finit créer insan, bachar, il finit mettre un caractère dans sa bachar là, ce qu'il nous appelle en arabe, sauf fitrat, en urdu aussi, appelle insan ka fitrat, sauf fitrat, ça veut dire dans fitrat insan, et il y a une affaire qui appelle, il n'est pas content, il n'est pas content, Brésil.
n'est pas content tire la case. Ça, il existait à l'intérieur. L'amour, il est content, mange briani. Il est content, son maman, son papa. C'est une fitrat bachari qui existait dans Bachar. Et il y a son rouh, il y a son iman, il y a son lekir, il y a son sentiment, il y a un caractère qui est invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met l'objectif de sa insan là, Allah trouve, get sa insan là, qui tu es dans toi comme caractère, donne-lui un objectif qui m'onassible à sa caractère là. Ça clair? Ensuite, quand fini, décide ça l'objectif là, tu as besoin d'al pour lui. Toi, insan, tu as besoin d'al pour lui. Pour lui, tu as l'objectif. Allah subhanahu wa ta'ala trace un chemin pour sa insan là. Trace un chemin pour lui. Pas dire, choisir qui s'y met pour aller, non. Tu n'as pas pour connaître toi, insan. Est-ce qu'il dans ce chemin-là, il y a un handicap? Est-ce qu'il dans ce chemin-là, il y a un problème? Est-ce qu'il dans ce chemin-là, il y a l'ennemi? Est-ce qu'il chemin-là, il est fermé? Est-ce qu'il chemin-là, dans ce chemin-là, il y a un shaitan qui attend toi? Non, nous pas pour connaître. Alors, quand Allah finit créer insan, il finit mettre sur l'objectif, quand il vient aller, il trace un chemin pour sa insan. Ça me appelle ça sharia. Sharia tout l'azé ou djel. A sharia, en vrai dire, veut dire le chemin. Le chemin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu dans surah 51 verset 56 doit habiter dans lui, il donne nous l'objectif en tant qu'insan. Quitte l'objectif dans dunya, travail, manger, boire, marier, grandir enfants, marier enfants, rendre la case pour enfants, ça l'objectif ou ça c'est ben tools qui à l'un d'un insan pour lui servir dans dunya pour lui gagner sur akhirat. Ça moi les autres répondent ça répond ça pour eux même. Alors Allah dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai pas fait une crédine avec insan. Je n'ai pas fait une crédine avec insan, excepté pour une seule raison. Pour une seule raison, Allah a fait une crédine avec insan. Li ya'budun, pour lui établir ibadet pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, dans nos langages terrestres, dans nos langages, dans nos façons, dans nos dialogues, nous dire qu'Allah a fait une crédine pour nous venir serviteur pour lui. Et quand un djimoun vient une serviteur juste pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il gagne libération avec toutes sortes d'esclavage. Parce qu'il y a l'esclavage économique, puis il y a l'esclavage, la scène de nous, l'amique de nous, les pieds. Il y a du monde qui vient esclave de sexe, il y a du monde qui vient esclave de l'argent, il y a du monde qui vient esclave de sa famille, il y a du monde qui vient esclave de ce de la case, il y a du monde qui vient esclave de ce business, il y a du monde qui vient esclave de ce groupe, ce parti, ce alim, ce maulana, il y a du monde qui vient esclave de ce de la case. Alors, pour nous gagner libération avec toute forme d'esclavage, quand un djimouni vient serviteur juste pour Allah, Allah libère lui avec toute forme d'esclavage. Par contre, les services sur la case, les services sur madame, les services sur monsieur, les services aux enfants, sur l'argent, sur business, qui pour faire les services ça, pour les réaliser, raison qu'Allah ne mette-lui la terre, ça veut dire pour aller vers sa direction qu'Allah ne mette pour sa insan. Et que c'est là qu'il décide, ça l'objectif là, ce n'est pas insan, c'est Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalla. Insan, ce caractère, c'est l'objectif. Ensuite, il y a un chemin qui est tracé, appelé le sharia. Right. Pas fini, c'est-à-dire. De nous un modèle. Right. Il donne nous sharia, il donne nous Coran pour montrer nous sharia. De nous un modèle pour expliquer nous le Coran, c'est-à-dire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on finit de man Aisha radiallahu anha. Ya Aisha, kaifa khuluqu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou comme elle dit, comment caractère Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui tu sois adab, qui tu sois manière, comment tu sois iman, comment tu sois transaction, comment tu sois ibadat tu étais, comment sois adab tu étais, comment sois dealing tu étais. Aïcha dit, khuluquhu al-Qur'an. C'était un Qur'an mobile. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit un Qur'an mobile. Qur'an dit, wa anzalna ilayka dhikra, litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Nous finissons de descendre vers toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Qur'an, afin qu'il te clarifie pour mon djimoun. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait le Qur'an, il mettait en implémentation lui-même, il clarifiait aux gens pour qu'il y ait un insan comprend comment nous puissions adapter sa chemin, hein? Comment nous puissions rentrer sa chemin pour nous arriver à bon port. Ça, c'est le modèle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un template jusqu'à là. Quand nous comprenons ça, la case, nous devons comprendre ça en créole. Nous pas, il y a tout ça, une explication sur l'ayat Coran. C'est moi, c'est ça qu'ayat Coran, pour ça que ce qu'il m'a dit, là, nous devons arrêter du moins ce qu'il a désir. Là. Alors là, il suffit qu'il nous comprenne nos créations, nos caractéristiques, nos objectifs, et il y a un chemin qui amène nous vers cet objectif-là. Appelle ça Sirat al-Mustaqim, appelle ça Sharia. À ce n'est pas un guide, nous, comme ça, même non, il descend un guide al Coran. Un godly inchangé, un godly unmodified, pas capable sans lui. En plus, il envoie
première implémentation. Première implémentation, comment dans management, first implementation. Ça veut dire, première fois qu'il pour implémenter le Coran, l'Odjimoun, c'était Quraysh Makkah. C'était que ça là? Ben, Quraysh Makkah. Ça, c'est premier sample. Je connais, peut faire vaccin en ce moment, Covid. Qui va pas besoin faire? Peut besoin appeler management volontaire pour implémenter sa vaccin là, aux autres, pour guetter est-ce qu'il y a pas de résultat ou pas. Sans faire ça, pas pour capable d'un vaccin à le monde, au monde. Quand Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, l'infini crée insan, l'infini donne son objectif, l'infini donne son sharia, l'infini donne son guidebook, l'infini envoie ce qui peut expliquer sa guidebook là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin fait une first implementation, il fait une première l'expérience avec insan pour implémenter le Coran avec sunna. C'était qui? Ben Quraysh Makkah. Qui choisir? Il choisir ben du monde qui plie pire. Il choisit, ben du monde qui plie pire, ils ont perdu sifat insaniya. Ben Quraysh Makkah, ben arabe, dans jahiliya, dans l'ignorance, période de l'ignorance, ils ont perdu tous autres sifat insan. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit ça, ben arabe là, comme sample cobaye, sur qui? Pour implémenter sa Coran là, pour implémenter sa sharia là, pour implémenter l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afin que personne ne vienne après, j'ai pas beaucoup à implémenter. Pareil comme quand pour servir médecine COVID, ou bien pour servir un vaccin, ou bien une médecine pour cancer, je ne peux pas choisir un monde qui est state 1, de grade 1 de cancer, pour tester un vaccin anticancéreux. Je peux besoin d'un monde qui arrive dans last stage pour guetter esqui. Sa vaccin avec sa médecine là, les pour faire l'effet de ça du monde qui a un cancer là ou pas. Je ne vais pas choisir un monde qui peine un cancer pour tester vaccin cancer ou bien médecine cancer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie qui implémente le Coran pour la première fois, il implémente tout devant le pied de l'insan. Quraysh Makkah. Qui n'arrive pas? Qui résultat de first implementation? Résultat qui était, ben là, il réussit ou bien faillir? Ils ont réussi. Ban qui n'amène iman, il réussit. Allah dit, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah est satisfait avec eux. Ils ont encore la terre. Ayat Coran peut descendre, peut dire, ban qui a adopté le système qui Allah et son Rasoul peut enseigner, ban a adopté ce système-là, résultat, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah est satisfait avec eux. Ouais. Ça clair? Alors, ban fait, bien sûr. Ça, l'islam, là, l'yastir, quand on comprend ça, c'est un dîn facile. C'est un dîn qui est facile. Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, dans l'ayat Coran qui m'a cité, tu as là, comme on dit, meilleure parole, parole Allah, dans l'explication, règlement rosa, Allah subhanahu wa ta'ala, quand l'infini explique règlement rosa pour Benjamin qui est malade et Benjamin qui est en voyage, l'ayat Allah dit, yuridullah bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Allah oulé la facilité pour eux. Il n'a pas oulé la difficulté. Nous comprenons pas ça, que quand nous pouvons adopter sa chemin qui appelle Sharia, sa chemin qui pour amener nous vers l'objectif, qui Allah a tracé pour insan, qui finit enseigné par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui finit être et implémenté le Quraysh Makkah, qui Allah satisfait avec eux, c'est un chemin qui est facile. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Bukhari, il dit « Inna dina yusrun ». Ibn Battal, il dit que l'islam, ce din, ce règlement, ce ibadat, ce façon amin iman, ce ban mu'amalat, les plus facile auprès de ban communauté précédente ce din. Quand on analyse nos iman, quand on analyse nos ibadat, quand on analyse nos ban transactions, nous pouvons trouver que l'islam, c'est la facilité. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Nisa, "Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Ban communauté précédente, tu gagnes l'autre pour aller tuer eux-mêmes. Qui tue la case à tuer eux-mêmes. C'est l'autre dans communauté précédente. Allah peut dire avec nous, Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah pas pour demander ça. Allah pas pour demander ça. Ça la loi sévère qui tient dans communauté précédente. Essayez d'imaginer Ibrahim alayhi salam, après combien de bananes qu'il y a des enfants, Allah donne l'autre pour prendre sa tibaba, elle quitte l'île d'une place. Elle quitte l'île d'une place avec une madame tout seul qui n'a aucun habitant.
Qui a été Tesla? Si de nos jours, quand il a été Tesla, man dimoun tu pour la guerre, la gazette tu pour la guerre, musulman tu pour la guerre, man précieux musulman aussi tu pour la guerre contre sa qualité instruction qui est très sévère pour prendre une madame al qui était avec un petit baba qui fait né dans une place qui est inhabitée. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala, l'infer sa sacrifice de la famille de Ibrahim alayhi salam, vient une partie dans nos hajj. Dans nous, qui est un pilier, afin que les musulmans réfléchissent sa parole qui inna dina yusr, l'islam c'est la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala, je répète sa phrase. Dans Hajj, les fins faire sacrifice de Ibrahim alayhi salam, vient une partie dans nous, Hajj, qui quand nous fait Hajj, nous réfléchit qui qualité est difficile, ça Tesla, l'Oal et Ibrahim. Ibrahim et son madame et ses enfants de tout, qui a été difficile de statuer, nous quand nous vivons ça dans Hajj, nous réfléchissons, nous disons qui quand c'est facile, c'est facile, qui quand c'est nous test, c'est facile, en comparaison avec sa bandine qui tient avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est tafsir, ayat Coran, yuridullah bikum al-yusra, wala yuridu bikum al-us, Allah ou la facilité pour eux. La facilité ne veut pas dire rendre de haram. Non, la facilité c'est dans la loi Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. La facilité c'est pas casse la loi Allah parce qu'il m'a la facilité pour gagner une difficulté. Non, din là avec son instruction, avec son enseignement, c'est la même ça la facilité. C'est ça la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. L'idée de la sourate Baqara, nous tous nous connaissons quand Al-Domi, il y a une sunna quand Al-Domi nous lit trois derniers ayats de sourate Baqara quand Al-Domi. Et si nous mollons à l'islam, de sommeil. Dis-moi, il peut être haram, il peut Al-Domi. Dis-moi, il peut pas faire namaz et ça en jamaat, il peut Al-Domi. Dis-moi, il peut être vidéo, il peut être film, il peut Al-Domi. Dis-moi, il peut sortir dans fête, il peut Al-Domi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, man salla salat al-isha jama'atan. C'est lui qui fait namaz Isha en jamaat, faka'annahu salla qama nisfa al-layl. Sahih Bukhari. Li pareil comme un hajimoun qui fait la moitié la nuit ibadat, namaz. Wa man salla salat al-fajr jama'atan, et c'est lui qui fait namaz fajr qamatan, ka'annahu salla qama al-layl kulla. Li pareil comme un hajimoun qui djibout toute longue la nuit dans namaz. Ça c'est l'ancien Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allez dis-moi, mais il y a parole, c'est parole Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai, nous adopter ces paroles comme meilleures paroles? Est-ce qu'il est vrai même Coran, c'est meilleures paroles? Alors ça, chacun parmi nous l'analyser quand il sortit de Jumma, lit avec sa famille, les responsables de sa famille, les responsables de ses enfants, les responsables de madame, les responsables ben du monde qui sous sa responsabilité. Et si nous, nous ne pas prendre nos responsabilités, personne ne peut pas payer, excepté nous, au Qiyama. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'humain, il y a nafsa, au Qiyama. Quand livre sorti vient de nous l'armée, personne ne peut pas responsable, excepté nous-mêmes. Et personne ne nous parle pas d'un taux, excepté nous faisons d'un taux nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, dans surah Baqara, dernier trois ayats, sunna dit lié dernier des ayats de surah Baqara qu'on a dormi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Je tout connais ce ayat là. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de nous un fardeau qui nous pas capable de soyer. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, l'idia, ça même veut dire yuridullah bikum al-yusr, wala yuridu bikum al-usr. Abdullah ibn Abbas, li prend sa ayat Quran, quand Allah peut dire, la yukallifullahu nafsan illa us'aha, ça veut dire qu'Allah peut dire l'alcool haram, c'est ça la facilité. Qu'Allah peut dire, monsieur, madame, patouiller ensemble, mélanger ensemble, c'est haram, c'est-à-dire ça même la facilité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa qul lil mu'minin, dis aux croyants, yaghuddu min absarihim, baisse votre regard, wa yahfadhu furujahum, et préserve votre aura. Personne n'a pas un droit de votre aura, excepté man qui a un droit de te, c'est la facilité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, madame, wa qul lil mu'minati, yaghuddna min absarihinna, wa yahfadhna furujahunna. Ban ayat Quran qui peut cause pour madame, c'est la facilité. C'est la facilité. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba, oh man kana iman. » Arrêtez avec l'intérêt, c'est ça la facilité. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Al-qumar, jeu du hasard, li haram, là-dedans il y a facilité. » Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Une madame n'a pas un droit de voyager, de voyage. » Voyage veut dire, « Kut namaz vin qasr. »
Quand nous disons voyager, qui veut dire voyager dans Sharia, ça veut dire là, à partir de là, namaz vient, nous gagnerons faire namaz qasr. Right? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, peine à aucune place qu'une madame qui n'a iman voyager, excepté qu'il besoin de son mahram avec lui. C'est la facilité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, les fins de nous un din qui remplit avec la facilité. Sur l'enseignement, c'est la facilité. L'enseignement là, c'est la facilité. Pas facilité ce qui nous peut penser, pas nous, non. Non, non, non. La facilité, c'est dans Sharia. C'est ça qu'Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, peut dire. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah pas fin de nous un fardeau qui n'est pas capable de soyer. Quand tu gagnes namaz, 50 namaz obligatoires, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Moussa alayhi sallam, il dit, l'an tutiqa ummatuk, ton ummat pas pour capable faire 50 namaz obligatoires. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Mi'raj, l'in retourne contre Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à qui namaz in 25. 5, c'est la facilité. 5 là qui est la facilité là. Moins que 5, c'est difficulté. Parce qu'il y a moins que 5, il y a une difficulté qui peut venir dans la vie, dans Dunia, dans Kabar et Zoukriyama. Parce que la première réponse qu'il y a pour donner Zoukriyama, c'est concernant nos salats. Akulu qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum, wa li sa'irin muslimin, min kulli dhammin fastaghfiru, innahu huwa al-ghafur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alors, nous dînes, c'est la facilité. Nous vous comprenons bien. Quand nous trouvons une instruction, sorti contre Allah, et nous suivons les sorti contre Allah, et Rasulullah صلى الله عليه وسلم, c'est ça la facilité. C'est là-dedans même qu'il y a la facilité. Quand nous, insans, nous désobéissons à cette instruction, baisse regard, n'a pas quelque chose haram, société est gâtée. Zina ne fait pas tout comme on dit dans les sons. Dans Nour Islam, mercredi, si quelqu'un écoutait, une madame musulmane, les fausses homicides musulmanes, pour y amener un kafir dans la case, pour faire la partouze. Qui niveau nous arriver, musulmane? Qui fait? Parce qu'il nous casse sa principe, wa qulil mu'minin, oh, dis aux croyants, baissez vos regards. Ça, c'est un exemple dans un domaine. Quand nous pourrons dans tijara, dans commerce, il faut pareil. Quand nous pourrons dans mu'amala, transaction, il faut pareil. Quand nous pourrons concernant nos caractères, il faut pareil. Quand une fois qu'il nous casse l'instruction Coran avec sunna, ses difficultés, ses façades, ses corruptions. Get concernant nos dîmes, nos kalima même, qui a été facilité à Allah de mettre là-dedans? Il dit, man mata la yushirku billah shay'a dakhala al-jannah. C'est lui qui meurt, il ne peut pas faire shirk avec Allah, il rentre dans la jannah. Et man mata yushriku billahi dakhala an-nar, c'est lui qui meurt, il fait shirk avec Allah, il rentre dans l'enfer. Il nous explique ça en détail. Facilité dans réalise la ilaha illallah. Facilité dans salat, il sortit 50, il 25. Facilité dans zakat, 10,5% de l'argent qui me reste stable pendant un an, ce qu'il appelle al-hawl. Ensuite, istiqrar, ça a l'air qu'il y a un bout de zakat là. Il y a un sur l'argent de sa possession. L'air là, il tient 2,5%. Subhanallah. Qui a été facilité? Dans Hajj, 1,2 billion ou salman, il y a. Non, Allah fait lui une pharase, un rukun, c'est lui qui a la capacité physique et capacité financière. La facilité dans 5 piliers de l'islam. La facilité dans tahqiq arkanu l'islam. La facilité dans l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. La facilité dans manger Allah subhanahu wa ta'ala. L'épée en coller avec Ban Yahoud parce qu'ils ont fait quelque chose qui est halal dans manger min haram. Ça aussi. Allah subhanahu wa ta'ala de nous, qui quand c'est quelque chose pour manger? Qui quand c'est quelque chose dans fait halal? Haram, qui quand c'est quelque manger haram? Quelque la boisson haram? Parce qu'à l'islam, c'est la facilité. Alors, ben fait, bien sûr, Ad-Din, c'est la facilité. Al-Kitab, c'est la facilité. Al-Sunna, c'est la facilité. Nous travaillons, nous mettons en pratique et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, que Rabbul Alamin, il fait nous vivre l'islam. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour terminer, il dit avec Abu Sa'id al-Khudri, oh Abu Sa'id al-Khudri, c'est lui qui satisfait avec Allah subhanahu wa ta'ala comme son Rabb, et il satisfait avec l'islam comme son dîn.
Quand on veut dire l'islam comme nos dînes, ça veut dire nous bisamine nous la vie d'après l'islam. Et il est satisfait avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme son nabi, comme son Rasoul, d'akhal al jannah, les rentre de jannah. Mais ça, nous visons réaliser, nous visons réaliser de nous la vie. Qui nous l'est encore plus que ça, man musulman? Qui nous l'est encore plus que ça? Un dîn. Lola, en plus de ça, ou vint contre Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'échelle d'escalater à péché, ou zone Allah subhanahu wa ta'ala, avec même quantité de pardon, c'est arrivé au point de faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ben frère, bien sûr, sa dunya là, fana, li pour fana. Nous aussi, nous pour fana. Quand nous rentrons dans le kabar, c'est premier l'étape de akhirat. Ce qui dit nous pour faire en Dieu, pas pour servir nous. Ce qui nous amène dans le kabar avec nous qui pour servir nous. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Awwal manazil al-akhirah, al-qabr. Qui en vérité, inna al-qabra, le kabar, c'est premier l'étape dans akhirat. Et c'est lui qui ne traverse à l'étape là, ce qui vient après facile. C'est lui qui ne fait dans l'étape là, ce qui vient après les difficiles. Alors nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Oh Allah, donne-nous un amour, l'audime Allah subhanahu wa ta'ala, l'autre tariqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui quand nous mots dans une bonne action, dans l'air nous faisons une bonne action, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua. C'est même quand nous demandons cette dua là, il faudrait nous vivre dans sa façon là, ensuite nous dire Allah, nous pouvons vivre dans l'obéissance, moi il y a péché, moi il y a manquement, mais c'est l'air qui te décide pourquoi mon ruh, prends-le dans sa l'air qui me donne l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Rabbana dharamna anfusana wa illam taghfilana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب العالمين اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا يا عزيز يا جبار يا منتقم يا عزيز يا جبار يا رب العالمين احزم أعداءنا أعداء الدين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا نكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله